Dernier point déchet, donc exonération des professionnels de la TOM pour l'année 2021. Donc, conformément aux dispositions de l'article, disposition 3 de l'article 15.1 du Code général des impôts et de l'article L2333-78 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération a la possibilité d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des entreprises faisant appel à un prestataire privé. Pour exonérer de TOM les sociétés se trouvant dans cette situation au titre de l'année 2021, la communauté d'agglomération doit délibérer avant le 15 octobre 2020. Après examen des dossiers de demande d'exonération, certaines entreprises peuvent donc bénéficier de l'exonération de TOM au titre de l'année 2021. La commission environnement déchets, lors de sa réunion en date du 22 septembre 2020, a émis un avis favorable à l'exonération de la TOM pour ses professionnels. Bien. Des questions ? Pas de questions ? Donc, il est proposé au Conseil d'appliquer l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux immeubles concernés pour l'année 2021. Ça ne suscite pas d'interrogation, ben c'est parfait, on peut passer au vote. Ah si, il y en aura assez. On va aller faire un micro. Ah bon ? Ah. Non, on va vérifier immédiatement que le boîtier. D'accord. On peut commencer à voter, de toute façon, ça n'empêche pas. Bon, quoi qu'il en soit, le résultat du vote est celui-ci. Donc nous avons l'unanimité avec 119 votes exprimés.